Patrick Aymon, quatrième défaite en cinq matchs. Ça arrive à un très mauvais moment dans une course au play-off qui est très intense et très serrée. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment du côté de Genève? Bon, là, c'est vrai que la première des choses, c'est vrai que le timing n'est pas très bon. Bon, aujourd'hui, c'est pas l'effort qui a manqué. Je pense qu'on a manqué de réussite. Tout est plus difficile ces jours-ci. On tente de s'en sortir tant que bien que mal. Aujourd'hui, on avait déjà des blessés, et puis on a perdu en cours de route. On a perdu Noah et Simon. Donc, il n'y a rien qui est facile, mais la saison est loin d'être terminée. Nous autres, on va se relever, c'est sûr. Zug a profité de ses chances en avantage numérique. De votre côté, vous en avez eu aussi. Mm. Là, ça fait 6 matchs de suite que vous n'avez pas réussi à marquer en avantage numérique. Qu'est-ce qui a changé? Parce que tout fonctionnait bien dans les unités spéciales depuis le début de la saison. Oui, ça allait bien. Là, c'est la deuxième période là, qu'on peut dire. Il y a une période au mois de novembre aussi, on a été, je pense, 7-8 matchs où ça a été un peu plus difficile. On a encore cette même période-là. Là, au moins, ça fait 2 matchs. Au moins, on a quand même des tirs au but. Quand tu fais du power play et tu n'as pas de tir, il y a un problème. Mais donc, depuis les 2 derniers matchs, on a eu nos chances de marquer. On les a simplement pas mis au fond. Donc, mais c'est sûr que rendu à ce stade-ci de la saison, il faut que les unités spéciales fonctionnent bien. Et puis, c'est ça qui nous rend la tâche difficile ces jours-ci. Là. On a vu quand même beaucoup de bonnes mises en échec. C'était un match quand même intense. On sent quand même l'intensité des playoffs qui arrivent gentiment. Là. Oui, c'est sûr. Même si Diog, eux, sont déjà classés là, au premier rang, là, je veux dire, toutes les équipes, là, on sent que les playoffs s'en viennent. Tout le monde essaie de se troder le mieux possible pour cette période-là. Et puis, c'est sûr, les matchs deviennent de plus en plus intenses. Merci beaucoup, Pat. Merci.